Voilà, donc les comptes sont donnés. Est-ce que l'Assemblée marque le téléphone d'accord avec les comptes? Est-ce que vous avez des remarques à formuler? Est-ce qu'on peut savoir par rapport à l'année dernière le nombre de spectateurs, si ça a diminué ou... On est à peu près pareil. À peu près pareil. À peu près pareil. Donc, sauf la dernière, bon, ça c'est, oui. Mais on était à vous savez, les entrées, une vingtaine près. On n'a pas beaucoup de différence. Sachant que la finale s'est rajoutée par rapport à l'année dernière. Non, mais quand on compare par rapport au nombre de courses, on l'avait intégré l'année précédente avec les annulations et les courses qui se sont rajoutées, on arrive à peu près au même nombre de spectacles. C'est vrai que notre problème, je dirais aujourd'hui, beaucoup de clubs touraines avec la crise se plaignent d'une désaffection du public. Il y a un petit peu moins de monde dans les arènes. Nous, on n'en est pas là, on est à un stade où le public est stabilisé. Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Après, derrière, c'est pas l'objectif, c'est maintenant, c'est d'essayer d'en faire revenir plus. Et après, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour en faire revenir plus? Ça ne répond pas à votre question, mais... Oui, non, mais d'accord, mais c'est déjà pas mal qu'on n'en perde pas. Ouais. Sur les comptes qui nous restent, dans notre malheur, on a eu de la chance, en début de saison, d'avoir annulé des courses... qui nous ont rien coûté, parce que la dernière elle a fait mal. Il y en a beaucoup, 3000 et quelques. Donc si on n'avait pas eu les trois premières annulées... Est-ce qu'il aurait fallu inonder? On aurait peut-être inondé. Non, parce qu'on s'est concerté le matin, moi après, bon, on était là, à 10h, on a fait des incantations et tout pour qu'il pleuve, il a plu de partout sur chez nous. Et puis le manager était parti bonheur, en plus, quand on l'a appelé. On lui a demandé, il a dit, ouais, mais chez nous il pleut, mais le petit il est parti. Et le petit est parti à 11h du matin, à 11h30 il était là. Donc après c'est difficile de lui dire, la piste n'est pas praticable. De toute façon, pour faire simple, il y a un club qui a annulé une course il n'y a pas tellement longtemps, sans raison vraiment valable. La sanction qui est tombée, ça a été une amende de 2 500 €. Donc, alors, non, mais ça paraît logique. Donc quand on met tout dans la balance, c'est... Ça fait des cas de 500 €. Il a mieux voulu la faire, on s'est régalé. Oui, oui, oui. Mais parce qu'elle était très, très, très bien. Oui. Voilà. C'est vrai que n'importe où il pleut, donc ça retient les gens. C'est normal, ceux qui venaient de loin ou quoi que ce soit, je les comprends tout à fait. Voilà. Voilà.